Yo, reçois pour le favor. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Beat Critique. Aujourd'hui, je vais écouter trois instrus de trois gars qui ont suivi le programme Coupé Décalé. Voilà, donc ces trois personnes ont d'abord téléchargé les vidéos gratuites. Ensuite, elles ont voulu aller plus loin. Et aujourd'hui, je constate que le niveau commence déjà à être intéressant. Ils font déjà des beats vraiment qui sont assez puissants. Donc, on va commencer avec un gars il y a quelques semaines qui m'a contacté. Il va démarrer le programme Afrobeat. Donc, on va écouter son instru. Voilà. Déjà, l'intro, tu vois, il montre qu'il est intéressant avec les mélodies qu'il fait varier déjà dès le début de son, tu vois. Voilà, donc, et comme tu le constates, déjà, ce qui me plaît, lui, c'est le mix, il est parfait. Le mastering n'est pas encore vraiment optimisé, mais sinon, le mix, il est parfait. Les sonorités, elles sont déjà optimisées. Voilà, maintenant, il faut juste qu'il travaille encore sa structure et qu'il améliore encore un tout petit peu ses sonorités pour avoir un rendu professionnel. C'est déjà intéressant, quoi. Voilà, donc je crois qu'on a écouté Desano, maintenant on va écouter notre beatmaker qui m'a envoyé une instru aussi. Voilà, tu vois déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans son instru, tu sens de l'esprit, ressens une puissance. Il y a de l'esprit dans son beat, mais seulement le son n'est pas encore vraiment professionnel, les sonorités ne sont pas encore vraiment optimisées. Mais sinon, le choix de l'instrument, déjà, ça commence à devenir ça. Dans la structure de l'instrument, il y a des bons agencements. J'aime bien sa façon d'entrer avec la basse 808, j'aime bien la façon dont il a structuré. Ça donne vraiment de la valeur au son. Et maintenant, il faut qu'il optimise encore les sonorités de telle façon qu'il puisse être de plus en plus agréable à écouter à l'oreille, tu vois. Donc je crois qu'il a utilisé un piano, mais sinon déjà, c'est intéressant, je kiffe ton instru. On va écouter un dernier. Bon, déjà l'intro, c'est intéressant, mais il y a un problème de mix, tu vois. Il a des basses qui résonnent beaucoup plus fortes que d'autres instruments. Mais sinon j'aime bien le tease que tu as mis en fond, ça donne encore plus de valeur à l'instru. Thank you.
il y a encore un peu de travail à faire. Il y a encore les améliorations de sonorité. Il y a encore pas mal de choses à améliorer pour pouvoir passer vraiment tes sonorités à un niveau supérieur. Il y a encore les optimisations, les reverbs, le mix à faire. Il y a encore les paramétriques que je dois pouvoir bien gérer, les fréquences de tes différents instruments. Donc sur ce, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo où j'ai pris trois instrumentales et puis je vois que le travail est en train vraiment d'évoluer. Et on va écouter une dernière composition de Paul Favor. Voilà, ça c'est une instru trap. On va écouter un peu comment ça joue. Paul on the beat. Donc si on arrive à la fin de cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est optimisation, création de beats, afrobeat, trap musique, coupé décalé, voilà, et tout ce qui a à voir avec comment se créer un business sur sa musique, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Donc j'ai des séries de vidéos qui sont gratuites, qui vont t'aider encore plus t'améliorer afin de pouvoir optimiser tes instrumentales et atteindre un niveau vraiment intéressant. Sur ce, ciao.